amis de TV Liberté, bonjour. Nous allons à la rencontre d'un grand écrivain, d'un grand historien qui s'appelle Jean de Vigry pour nous expliquer ce grand personnage. Rémi Perrin, bonjour Rémi. Vous êtes directeur de collection chez Via Romana. Ce livre, 5 portraits, est publié chez Via Romana et vous avez aussi la grande chance d'avoir été, d'être toujours, mais Jean de Vigry n'est plus, d'avoir été le gendre de Jean de Vigry, à qui vous vouez une immense amitié admiratrice. Et ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens qui admirent. Je suis fatiguée des gens qui n'admirent pas. Donc je classe en 2 catégories, ceux qui admirent et ceux qui n'admirent pas. Et je dégage ceux qui n'admirent pas. Parce que Jean de Vigry est un personnage étonnant. C'est un historien. Alors, vous-même, dites-nous pourquoi est-ce que vous admirez, quel est le... Peut-être rappeler les grands titres de ses livres. Oui, donc c'est l'auteur d'abord du Dictionnaire des Temps des Lumières, oui, qui fait autorité maintenant dans les universités depuis plus de 15 ans, qui est un énorme bouquin dans la collection bouquins. C'est lui qui a écrit la biographie aussi de Madame Elisabeth, oui, qui a laissé un grand souvenir. Très beau livre. Oui. Mais justement, Anne Brassier, je me suis demandé pourquoi au fond Jean de Vigry est un grand historien et qu'est-ce qui sépare les grands historiens des historiens tout court. Et je crois que la réponse chez lui, en tout cas, c'est qu'il était aussi, il avait une formation philosophique. C'est-à-dire qu'il a été l'élève de Louis Junier à Toulouse, oui, dans sa jeunesse. Il a eu la chance de l'avoir comme prof en terminale à Toulouse et ensuite à Sciences Po sur un cours d'histoire des idées. Et ça lui a permis d'abord, ça lui a appris la philosophie réaliste et aussi une espèce d'exigence de quête de la vérité qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il n'avait pas rencontré. Et tout ça mêlé fait qu'il a toujours considéré l'histoire comme à travers la nécessité de voir les idées derrière les faits et donc d'être très proche des faits et de la vérité des faits, mais aussi de décortiquer en fait l'idéologie. C'est pour ça qu'il était un très bon historien des Lumières. Et il a vécu en pleine période idéologique. Ah, il, oui, avait l'école marxienne de Marc Bloch et l'école structuraliste de Michel Foucault. Oui. Ça faisait beaucoup. Et il a commencé sa carrière en 68 à la Sorbonne. Voilà. Donc là, on ne pouvait pas faire mieux. Voilà, voilà. Là, c'est un bain… Et son maître était Roland Mounier. Et Roland Mounier a dit « On ne fermera pas mon centre de recherche pendant mai 68. » Ils ont continué à travailler en mai 68, juin 68, ah, oui, dans une Sorbonne complètement cernée par, ah, oui, par les étudiants gauchistes. Mais il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de grands professeurs. Pierre Magnard a continué ses, oui, cours de philosophie pendant toute… toute la révolution avec un petit R. Ouais. Alors, pour compléter ce que vous dites, je crois que c'est un grand historien aussi. Il dit dans son portrait de Chénier, parce que, chers amis de TV Liberté, ce livre est la réunion de 5 conférences prononcées par Jean de Vigry, mais ce sont des conférences qui étaient écrites, oui, et répétées. Oui. Il travaillait beaucoup ses conférences à l'avance et certaines conférences ont donné des articles, ensuite des livres. Voilà. Donc c'était pas… Donc c'est précieux ce que vous nous donnez. Oui, je crois. C'est très précieux. En tout cas, c'est très concentré. C'est très concentré. C'est très très bien écrit parce qu'il écrit merveilleusement. Et puis bon, ça, les sujets sont extrêmement bien choisis, nous allons voir. Alors, il dit dans son portrait de Chénier que poésie et histoire sont très proches. Il dit que l'histoire n'est pas une science, oui, et qu'elle est plus proche de la poésie parce qu'elle recrée, elle crée. Elle recrée, oui. C'est très joli, ça. C'est une œuvre de création. Il aimait beaucoup la poésie. Et il aimait beaucoup la poésie. L'histoire est une façon de recréer… recréer le passé comme… Mais de recréer le passé comme une toile peut le faire. Oui, c'est ça. Et, alors, qu'est-ce qui lui donnait ce coup de pinceau si sûr? Quelle était sa méthode de travail? Il avait quand même une méthode de travail particulière. Bon, déjà, il travaillait beaucoup et il n'a pas toujours été, je pense, l'historien facile d'accès ou… proche de ses lecteurs qui a été vers la fin. Je crois qu'il y a eu 2 périodes. Il y a une période où il a dû sombrer, malgré lui, dans la période structuraliste où il fallait quand même
étudier donc les grandes séries, vous savez, cette conception sociologique de l'histoire. Oui, oui. Avec Roland Meunier, il a été obligé de faire ça parce que c'était l'époque où tout le monde faisait ça. Oui, mais il a dépouillé. Il a dépouillé, par exemple, 10 000 actes de mariage au XVIIe siècle, ouais. Enfin, des choses qui demandaient énormément de travail et pour des résultats qui sont quand même assez… qui sont purement scientifiques pour oui. le coup. Et il s'est dégagé de cette perspective en voyant que les imprimés, les sources imprimées, les livres, les manuels scolaires, les cahiers des élèves sont une source en fait d'information très précieuse, ouais. Et autant que les archives, que de baigner dans les archives départementales toute sa carrière. Et du coup, il est passé un peu de l'un à l'autre. Et je pense que c'est ça que la méthode a un peu changé. Et puis surtout, il a énormément amélioré son écriture. C'était un écrivain qui moi, à mon sens, ses premiers livres sont des écrivains vraiment d'universitaires, oui. Alors que tout ce qu'il a écrit après sa retraite ou à la fin de sa carrière universitaire sont des livres de grands historiens. Je vais vous dire, l'écriture change parce que la personnalité s'affirme. Oui, et la volonté. Il a été un étudiant et après, il a été l'étudiant de Roland Meunier. Oui. Et puis après, il est devenu cette personnalité extraordinaire. Et alors… j'ai envie de dire que c'est un historien qui a parfaitement démontré l'obscurité des Lumières. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition ? C'est pas facile, ça. Non, mais il approfondit les Lumières. Nous avons des personnages qui nous sont vantés par l'école républicaine comme des dieux. Je suis descendue de mon fauteuil en voyant son portrait de Montesquieu. Moi, oui, c'est vrai. Je croyais exactement que Montesquieu, c'était ce grand homme intègre, fantastique. En réalité… il a inspiré trois terroristes, et puis Robespierre, oui, Jean. Oui. Et puis, comme vous le dites, et comme avec Xavier Martin, ils ont beaucoup désacralisé finalement les Lumières, mais en oui, montrant qu'on a affaire à des philosophes souvent sinistres, matérialistes, épouvantables. Il avait montré dans son livre sur les filles des Lumières, qui était un livre sur les salons littéraires du 18e, on voit des hommes très, très narcissiques, en fait, des philosophes qui se lisent eux-mêmes devant une assemblée de femmes ébahies. Et souvent avec des idées très… très, très oui, très, les autres sont des animaux, nous sommes au-dessus. Mais bon, puisqu'on parle de Montesquieu, alors il y a aussi un grand charme à ce livre, c'est son actualité. On ne peut pas s'empêcher de comprendre mieux notre époque à partir de ses études. Ouais. Quand il dit que les thèmes qui sont développés par Montesquieu, ce sont en fait les thèmes des Lumières. Premier thème, le bonheur d'abord. Le bonheur d'abord, ouais. On y est. Le goût de servir, le goût de savoir, le goût de la vérité, c'est plus ça, c'est le goût du bonheur, on dirait aujourd'hui, de jouir. Ouais. L'utilité ensuite. Ouais. Tout doit être utile. Ouais. Fantastique ça, on y est aussi. Ouais. Même les amitiés doivent être utiles. Oui. L'amitié, en fait, c'est un échange de bons procédés. C'est incroyable. L'amitié, écrit Montesquieu, est un contrat par lequel nous nous engageons à rendre des petits services à quelqu'un afin qu'il nous en rende de grands. C'est en plus de ça dégoûtant. Enfin, je veux dire, moi, je rends des petits services et vous allez m'en rendre des grands. Enfin, c'est hallucinant. Mais… alors, la tolérance aussi, ça, c'est le grand siècle de la tolérance, qui va se terminer par la décapitation de milliers de gens, ouais. Mais il prône la tolérance. Ouais. On y est. Alors, sa conception est un petit peu plus nuancée que celle de Voltaire. Oui, oui. Il n'aime pas d'ailleurs Voltaire. Oui, parce qu'il est quand même un peu moins… Il est moins… Pas écraser l'infâme, quoi. Oui. Il est contre la dévotion aussi. Mais enfin, il est contre la dévotion, ça c'est quand même… La dévotion est à ses yeux une véritable maladie, un prétexte à mal faire et le support de l'arrivisme. Citation, « J'appelle la dévotion, dit Montesquieu, une maladie du corps qui donne à l'âme une folie dont le caractère est d'être la plus exécrable de toutes. » Non, mais enfin, on croit cauchemarder. Ouais. Il traite de faux miracles toutes les dialogues mystiques de Marie à la coque, de Parel Monial. Il y a beaucoup de cartésianisme. Je pense que là, il y a une influence quand même du rationalisme importante et qui serait passée peut-être par les oratoriens, parce que je pense que lui, il a été l'élève des oratoriens. C'est ça, la mauvaise influence. Bah, probablement. En tout cas, il a été élève pendant 7 ans des oratoriens, donc il avait déjà été gagné par le cartésianisme. Donc on sent que là, c'est…
Et là, il écrit aussi « Les ecclésiastiques sont intéressés à maintenir les peuples dans l'ignorance ». Manque de peau, c'est les ecclésiastiques qui ont les premiers enseigné le peuple. Exactement. Donc là, il y a une petite contradiction. Il y avait même que à l'époque. Il y avait même que à l'époque. Non, c'est inouï. Puis alors, le mépris de l'homme, l'éducation négative pour les jeunes enfants, jusqu'à 7 ans. 7 ans, oui. 7 ans, il ne faut rien leur apprendre. Ouais. C'est la thèse de Rousseau. Et l'homme est un singe. Enfin bon, bref. On est tout à fait étonné de. Et alors, on comprend pourquoi Montesquieu est si célébré par l'école républicaine. Ouais. C'est notre dieu, c'est évident. Et pourquoi aussi il apparaît comme très modéré, en fait. Oui, par rapport aux autres, oui. Par rapport aux autres. Il faut qu'il passe un peu pour le gentil de la bande des philosophes, quoi. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Comme vous le disiez, il a influencé les révolutionnaires parmi les plus durs. Oui. Notamment Robespierre, pour vous. Alors, évidemment, Jean de Vigry rend hommage aux trois. Son livre sur les trois pouvoirs, bien ouais. sûr, l'esprit des lois. Mais tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs. Celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. C'est vrai que là, on a envie de dire, peut-être le gouvernement devrait-il relire l'esprit des lois. Mais là où c'est amusant, c'est l'autre livre de Montesquieu, c'est ce livre dans lequel il parle de la vertu républicaine. Alors là, la vertu politique, ouais. qui a inspiré celle de Robespierre. Voilà. Alors là, la vertu républicaine, c'est très amusant parce que on y est. C'est les lettres persanes. Voilà. Les lettres persanes. La vertu républicaine, on en nous en bassine ouais. tous les jours. Or, on a tous les jours un homme politique traîné en justice pour une raison X ou Y. Mais là, il nous donne la réponse, c'est qu'en fait, cette vertu-là n'est pas une vertu morale. Il le dit lui-même. Il l'écrit Montesquieu. Il ne s'agit pas d'une vertu morale. Il s'agit simplement d'une aspiration à l'égalité voilà. et à la patrie. Voilà. La véritable vertu, c'est l'égalité. Voilà. Cette tendance vers l'égalité et vers la ouais. patrie suffira en fait à assurer le bien de commun de tous. C'est qu'on est quand même en pleine utopie là. C'est quand même marrant, parce que ouais. c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe, ouais. Vous pouvez dérailler à plein tube. Si vous avez le sens de l'égalité, tout ouais. va bien. Ouais. On y est. C'est très, très, très amusant. J'ai donc appelé vertu politique l'amour de la patrie et de l'égalité. Et alors là, c'est là que l'on voit arriver cette idée de la patrie révolutionnaire. Oui, exactement. Donc là, c'est une idéologie extrêmement nouvelle. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que Robespierre a pu trouver ça tout seul. En ouais. tout cas, la source est évidente. Là. La source est évidente, oui. Et beaucoup, on en a parlé récemment, Jean-François Cap considérait que Montesquieu était plutôt un philosophe modéré, aristocrate, anarchiste. Ah oui. Et ah je pense oui. qu'il l'avait pas lu de façon ouais. aussi fine. La force de Jean de Vigry, c'est cette étude extrêmement précise. Ouais, il n'y a pas une ligne de l'écrivain qui lui échappe. Il souligne, et comme il a un œil d'acier, il voit immédiatement là où le bât blesse, en fait. Et donc, il éclaire parfaitement un écrivain. Plus rien ne reste de caché dans l'écrivain. Ouais. Il y a un autre portrait très amusant, c'est le portrait de Colbert ouais. dans vos conférences. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce portrait ? Inouï. Et ça s'appelle Colbert. C'est sur Colbert et la religion. Alors, moi, je sais, Anne Brassier, que vous n'aimez pas beaucoup Colbert, mais là, le texte est assez ambivalent. Très nuancé. Ce qui est très nuancé. C'est qu'il ne prend pas trop parti sur la religion de Colbert. J'en ai pris de la graine. Oui, on oui. voit quand même que Colbert instrumentalise. Enfin, la religion, pour lui, c'est une autre façon de faire de la politique, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il place sa famille. Il fait des évêques de ses neveux. Oui, il nomme les gens là où il faut, etc. Enfin, parce qu'on sent que le pouvoir de l'Église est quand même très important à l'époque. Il se sert de l'Église. Mmh. Et d'un autre côté, il le montre quand même comme un bon chrétien, qui, même si il est proche du jansénisme, est très pratiquant. À l'approche de sa mort, il commence à se dire, mais en fait, j'ai beaucoup trop servi le roi, maintenant il faut que je m'occupe de servir mon âme. Oui. De mon âme. Oui.
C'est Racine qui le raconte dans des termes un peu plus joyeux que les miens. Et donc, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, il n'est pas... En fait, auquel Colbert quand même passé pour quelqu'un d'assez dur avec les moines, etc. Enfin, mon grand grief, c'est qu'il a laissé Fouquet en prison et où il l'a fait mourir dans un château sans chauffage. Et pour moi, c'est le... Enfin, je veux dire, là, on a dans un cas un fonctionnaire sans foi ni loi qui a très bien organisé la France, on est bien d'accord. Mais enfin, je ne suis pas sûr que le colbertisme et le centralisme ne soient pas une catastrophe. On le voit aujourd'hui, puisqu'il y a une seule personne qui décide de ce que fait un gars à Prérepignan ou un autre en Alsace. Donc, l'intérêt du centralisme de Colbert reste à démontrer. Mais en face, le personnage de Fouquet dans la balance pèse quand même beaucoup plus lourd. Et avoir incarcéré cet homme-là, dont les grands historiens disent qu'il n'a pas trompé du tout la France. On dit que c'est un traître à l'Angleterre parce qu'il a fortifié Belle-Île, mais ça n'a rien de sûr. J'ai interrogé le dernier biographe de Fouquet, dont le nom m'échappe, mais ça n'a rien de moins sûr. En tout cas, son portrait est très nuancé. Et d'ailleurs, il ne tranche pas. Peut-être il que dit, Colbert, c'est un mélange des deux. C'est à la fois un très bon chrétien et en même temps quelqu'un Dieu jugera, les prêtres. Dieu jugera, mais il donne des éléments dans les deux cases. Ouais. C'est étonnant. Mais alors, les autres portraits que j'ai beaucoup, beaucoup aimés, alors il y a Chénier, qui est extrêmement touchant parce qu'il nous dit carrément c'est le seul poète de cette époque. C'est une époque où tous ces philosophes pensent que la poésie classique est morte, comme je disait dans une autre émission, après eux, il n'y a plus rien. C'est une nouvelle ère qui commence, sans poésie. Et même ceux qui pratiquaient la poésie comme Voltaire disaient quand même que le 18e siècle était le siècle de la sécheresse. Ouais. Et c'est vrai que Voltaire, c'est un type très sec. Il faut dire que sa prose est extrêmement chatoyante, mais enfin, c'est vert. Faut... Oui, en plus, personne ne lit personne ne lit du Voltaire, ni ne joue du Voltaire, encore moins. Ouais. Mais, alors... donc il y a ce prodigieux parallèle entre la poésie et l'histoire qu'il fait. Il y a une très jolie façon de présenter la poésie de Chénier, et on voit l'influence de Chénier sur Brasiliac. Ah oui. Et ça m'a beaucoup ému puisque dans les vers de Chénier sur la jeune prisonnière, la jeune captive qui est aimée de Cogny le poète fait dire à Aimé de Cogny « L'illusion féconde habite dans mon sein d'une prison sur moi, les murs pèsent en vain, j'ai les ailes de l'espérance » échapper au réseau de l'oiseleur cruel, plus vive, plus heureuse, aux campagnes du ciel, Philomène chante et s'élance. C'est quand même très très joli. Et Brasiliac écrira quand il sera à Fresnes, « S'approche l'oiseleur avec son sac au poing, ma vie est un oiseau au filet du chasseur ». Et vous savez que Brasiliac a écrit une vie de Chénier à Fresnes. Ça, leurs destins sont quand même assez parallèles. Bien sûr. Et ce que dit aussi Jean de Vigris, c'est que la Révolution n'a pas sauvé grand-chose, mais elle a sauvé la poésie de Chénier, parce que Chénier est devenu un très grand poète au moment où il entre à la prison de Saint-Lazare. Il écrit les Iambes, qui sont absolument extraordinaires. Parce qu'un jour, j'avais fait cet exercice de rechercher dans la première encyclopédie Larousse la rubrique Chénier. Ouais. Il a commencé par être révolutionnaire. Oui, ça fait ça. Totalement républicain, le monde meilleur et tout. Et c'est petit à petit que... C'est un homme libre et il pensait peut-être pas être arrêté. Non. Ah ben non, parce que c'était forcément bon, la révolution. Oui, c'est ça. L'illusion va très loin. Alors, il y a encore un autre portrait
qui commence le livre, qui est Saint-Benoît Labre. Oui. Alors ça, c'est une histoire étonnante. Non, c'est un moine, en fait, qui était un mendiant, en fait. Un moine mendiant. C'est même pas un moine, c'est-à-dire qu'il a voulu être moine et il était tellement sale, tellement… Il a été refusé. Il a été refusé dans tous les monastères où il a voulu aller. Et du coup, il a pèleriné, il a marché pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Il est allé à Lorette multiples fois. On pense qu'il est allé peut-être à Saint-Jacques-de-Compostelle aussi. Et vers la trentaine, il a échoué à Rome, à peu près épuisé. Épuisé, il s'installe dans une grotte du Colisée. Oui. Et la première église dans laquelle il va, c'est Saint-Louis des Français, là où Jean de Vigry avait été baptisé. D'ailleurs, peut-être il y a une résonance là, chez lui. Et pourquoi ses parents étaient à Rome ? Oui, il a vécu à Rome les 5 premières années de sa vie. Même. Que faisait le père ? Son père était ingénieur agricole, mais il a eu une mission temporaire. Il a eu une mission à Rome. À Rome, exactement. Mmh. Et donc, bah, je pense que c'est pas pour ça que Jean de Vigry s'est intéressé à Saint-Benoît Labre. Non, c'est que non. Oui. Mais peut-être pour une autre raison, c'est que c'est un grand saint du XVIIIe siècle. Oui. Or, le XVIIIe siècle, c'est sa patrie. Et puis, c'est le siècle des Lumières. Donc, on peut imaginer que c'était un siècle irreligieux. Et en fait, pas du tout. La preuve, c'est qu'il y avait de grandes figures. Alors, l'élite est absolument a-religieuse, anti-religieuse, très agressive, les gars. Mais il dit que c'est un siècle où le peuple est très religieux. Le peuple est trop religieux, ouais. C'est ça qui est très étonnant. Ouais. Il montre bien la force des pèlerinages, la longueur des services. Tout le monde est concerné. C'est, ouais. C'est un temps où l'éducation est religieuse et on ne rigole pas avec ça. Ouais, oui. Et c'est un saint qui a de trop petits moyens. Même intellectuellement, il a très peu de livres, il a juste 2-3. Alors, il a rien dans sa bourse, dans sa besace, mais il a quand même 4 livres. Oui. Le bréviaire, l'imitation de Jésus-Christ, ouais. Et je ne sais plus. Les litanies, ouais. Absolument. Et alors c'est un saint qui est pauvre, 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 mais dès qu'on lui donne quelque chose, il partage. Oui. Et d'ailleurs, et parfois ça pose des problèmes, parce que la charité, normalement, doit être bien ordonnée, et quand on lui donne quelque chose et qu'il redonne aux autres, ça vexe ceux qui ont donné. Alors ça, c'est très joli. Et puis alors, il n'insiste pas, mais il est quand même, il souligne tout de même ce mystère de cet homme qui était beau. C'était un homme du Nord, blond, grand, qui l'aîné d'une famille très nombreuse, très chrétienne, et qui donc part sur les routes et qui a décidé de renoncer à tout, à l'eau pour se laver, au peigne pour se coiffer, et qui devient un personnage, un clochard. Un vrai clochard, oui. Et alors, Jean de Vigry explique ça par le renoncement total. Oui, le renoncement, le dépouillement total. Le dépouillement total, oui. Et ce qui est très étonnant, c'est la façon dont il va être reconnu comme saint dès le moment où il meurt. Oui. Oui. Là, il meurt en odeur de sainteté, là, l'expression s'impose, surtout que… Tanto subito. Tanto subito, et là, les gens se partagent ses reliques, enfin, ça devient… Ouais. Et la rumeur gagne l'ensemble de Rome, et ça, c'est étonnant à partir de très peu de choses, quoi, d'un homme entièrement dévoué et dépouillé. Enfin, je pense qu'il était très connu, oui, il était du petit peuple connu, de Rome, Rome ouais, puisqu'il donnait tout. Ouais. Ouais. C'est un très beau texte, un texte très émouvant, je trouve. C'est parmi les plus émouvants du recueil. Très, très. Puisqu'on parle de Rome, j'invite les téléspectateurs à aller sur mon blog annebrassier.fr et sur le Salon Beige. J'ai fait un article à la suite de la mort de Benoît XVI et de son enterrement. Si misérable, si démocratique, si protestant. C'est froid, très froid. C'était absolument effrayant. Et je l'ai fait à la mémoire de Jean Madiran. J'ai réuni les deux, puisque Jean Madiran avait été extrêmement heureux, profondément heureux, du motu proprio décidé par Benoît XVI. Ouais, et je fais le rapprochement avec Saint Benoît Labre, d'ailleurs par le nom, ouais, les deux Benoît. Mais c'est surtout que aussitôt le couvercle du cercueil refermé, il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte combien était grand, profond, haut Benoît XVI et combien finalement il a fait de bien à l'Église. Et la mort libère les paroles. Oui. Notamment de son secrétaire. Notamment de son secrétaire qui…
dont le titre du livre est « Rien d'autre que la vérité ». Ah, on espère que ce sera vrai. Voilà. Ah, bon, je crois que c'est vrai, je crois que c'est tout à fait vrai. On essaye de désinguer ce livre en disant que c'est le livre d'un homme blessé, mais c'est le livre d'un homme qui a vécu 20 ans dans l'intimité de Benoît XVI et qui était très proche de lui. Et j'ai appris qu'il était passé par Écône. Ah, je ne sais pas. Oui, moi je l'ai appris. Ouais. Donc, deux réflexions. Beaucoup de gens sont passés par Écône, Hesdin. Et deux, ou grand, personne ne le sait, mais beaucoup de gens sont passés par Écône. Il y a un livre à faire. Et deuxièmement, si Benoît avait été si réformiste que ça, il n'aurait sans doute pas supporté un amoureux de la tradition, comme même Mgr Gansschwein, non ? Oui, certainement. On va de surprise en surprise en lisant la vie de Benoît XVI, que j'ai eu la chance de voir moi aussi à Rome, et ça m'a donné un grand bonheur. Et alors, le dernier personnage sur lequel on va terminer cette émission, c'est Mgr Cazot. Parce que Mgr Cazot, c'est quand même quelque... Pourquoi est-ce que Jean de Vigry a été fasciné par... Alors moi, Mgr Cazot, c'est sûrement pour, à cause de son attachement à l'école libre. Enfin, ce qu'on appelait à l'époque, en 1945, l'école libre, maintenant, ce serait l'école... Hors contrat. Hors contrat, oui. À l'époque, c'était l'école privée sous contrat, catholique. Et qui en. Non, l'école privée sous contrat est arrivée après. Ah oui, après, elle est arrivée sous contrat en 1959, mais oui. À l'époque, elle était privée. Elle était encore subventionnée en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était encore subventionnée. Et alors, elle a été subventionnée par le maréchal Pétain. Voilà, c'est ça. Le maréchal Pétain, en 1941, trouve que c'est pas normal que les écoles libres ne soient pas aidées et subventionnées comme l'est l'école publique. L'école publique, oui. Et en 1945, donc… Se passe-t-il en 1945 ? Il y a un gouvernement socialo-communiste. Absolument. Qui dit, mais tout ça, ça n'a aucun sens. La laïcité, même Léon Blum, enfin tous les… L'égalité, au nom de l'égalité, on vous coupe le cou. Et la laïcité, il n'y a aucune raison qu'on finance les écoles catholiques. Donc pendant 6 ans, aucune école catholique française ne recevra un centime de l'État. Alors la révolte, notamment en Vendée, parce qu'en Vendée, il y a plus de 40 000 élèves qui sont scolarisés dans le privé. C'est 80%. Donc, c'est absolument énorme. Pourcentage énorme. Les maires sont vent debout. Mgr Cazot, qui est évêque de Luçon depuis 1944, je crois, prend les choses en main, décide d'organiser d'abord une association, ensuite de fomenter des manifestations locales. Les maires se révoltent, donc commencent par ne plus reverser la taxe sur les kermesses. C'est-à-dire qu'il y a normalement reversé une partie des dons des kermesses. Non, mais on voit quand même une. Alors, ça, c'était un arrangement du temps du maréchal Pétain. Ah oui. Le gouvernement, l'État français, donnait des subventions, ouais. Et en retour, quand il y avait une kermesse. Les kermesses font beaucoup d'argent, il reprenait. C'était une façon peut-être de calmer déjà les laïcars. Mmh. Ouais, ils font beaucoup d'argent dans leurs kermesses, mais on va leur en prendre un petit peu. Vous voyez, c'est un petit arrangement comme ça. Et alors là, on tombe dans le sordide. Un, on leur retire leur subvention, mais en plus, on continue à vouloir percevoir un bakchi sur les kermesses. C'est ça. Ensuite, les maires font pire que ça, ils refusent, et ils font des arrêtés pour subventionner, eux, les écoles. Oui, les maires sont indépendants à cette époque-là. Assez indépendants, en tout cas en Vendée. Oui. Et du coup, les préfets annulent les décisions municipales. Mm. Du coup, les maires, certains maires font grève, c'est-à-dire ferment leur mairie. Donc, les actes d'état civil ne sont plus délivrés. Il y a des mariages qui ne sont pas faits, donc les mariages deviennent 100% religieux. Enfin, des choses absolument assez incroyables aujourd'hui. Et la clé de voûte de ça, c'est des grandes manifestations, et la très grande manifestation de Mgr Cazot, où il appelle carrément, non pas tout à fait à une grève de l'impôt, mais il leur dit, écoutez… – Êtes-vous prêts ?– Voilà, êtes-vous prêts à suspendre vos dons ?– Je vais lire ce discours, parce que je trouve qu'il est d'une actualité là aussi, totalement rigoureuse. Alors voilà, Mgr Cazot, il y a quand même 100 000 personnes devant lui. Hein. Ah oui.
Nous sommes en Vendée. Nous n'ignorons pas, dit-il, nous tenons à vous le rappeler, que tout citoyen doit prendre sa part des charges de l'État. L'impôt représente pratiquement la dette dont il doit s'acquitter à l'égard de la société et il ne saurait légitimement s'en exonérer. Mais nous ne pouvons pas oublier que si l'État a des droits, il a aussi des devoirs. Que s'il est votre créancier, il est aussi votre débiteur. Et qu'il a contracté envers vous, en matière scolaire, de très lourdes dettes. Depuis 4 ans, dans l'ordre et la dignité, les populations de l'Ouest n'ont cessé de réclamer leur dû. Alors, en face de cette situation, à regret certes, mais très nettement, nous n'hésitons pas à vous répondre. Devenu et très largement créancier de l'État, vous pouvez, sans offenser la loi morale, différer le paiement de vos impôts jusqu'à ce que votre débiteur accepte lui-même de s'acquitter de sa dette. Ouais. Ça prouve qu'il connaissait très bien la loi, parce qu'il a dit différer, parce que je crois qu'appeler à la grève de l'impôt, c'est déjà un délit. Donc, dire différer, bon, bah, on paiera quand ça ira mieux. Et juste avant, il avait posé la question, acceptez-vous de suspendre le paiement de vos impôts? Si vous acceptez, levez la main. Et là, 100 000 mains s'étaient levées. Alors, ça montre bien qu'on n'est jamais faible que de sa propre faiblesse. Oui. Parce qu'il dit, vous nous devez ça, et c'est imparable. Oui. L'État est obligé de caler. Et en fait, c'est vrai qu'à Anne Brassier, on pourrait faire la même chose aujourd'hui avec les écoles hors contrat. Eh bien, merci d'en être venu à cette conclusion. Les 1800 écoles hors contrat qui saignent les parents. Évidemment, évidemment. Alors, l'histoire de l'impôt ne peut pas parce que l'État se sert directement dans votre poche, automatiquement. Donc, il faut trouver un autre moyen. Mais la philosophie reste la même. Nous sommes forts. Je veux dire, on n'a aucune raison, les parents qui mettent leurs enfants dans des écoles libres, vraiment libres, parce qu'il faut bien souligner, chers amis de TV Liberté, mais la plupart d'entre vous le savent, que les écoles dites catholiques sous contrat d'association sont maintenant obligées de faire ce que celui qui paye décide, c'est-à-dire toutes les lois d'éducation sexuelle, toute l'histoire révolutionnaire à fond, enfin, des choses qui ne font pas partie de la liberté de penser. Oui, les écoles libres d'aujourd'hui, c'est des écoles hors contrat. Ouais. C'est des écoles qui sont en réalité pas du tout libres. Elles ne sont même pas libres de choisir leurs professeurs, elles ne sont pas libres de choisir leurs élèves, elles doivent choisir toute catégorie d'enfants, elles doivent donc soumettre… – Leur manuel, leur programme. – Et leur manuel, leur programme. Donc, si vous voulez, c'est une subvention contre la perte de la liberté. Je pense que tant qu'on n'aura pas compris que toute personne subventionnée dans ce système actuel n'a pas de liberté, on ne fera pas de progrès. Voilà. En tout cas, ce Monseigneur Cazot était une personnalité extraordinaire. Il a rempli ses séminaires de 720 prêtres. Oui, oui. Il y avait 700. Alors, c'est une époque où il y avait plus d'ordination qu'aujourd'hui. C'est la Vendée. C'est quand même beaucoup. Hein. 700 prêtres en trentaine d'années, je crois. C'est la Vendée. Et il a failli avoir des ennuis assez graves après cette intervention-là, puisqu'il a été convoqué à Rome. Et visiblement, Vladimir d'Ormesson n'a pas eu un rôle extrêmement reluisant parce qu'il a demandé la tête, je crois, de Mgr Cazot aux autorités. Parce qu'il ne fallait pas de vague. Il ne fallait pas de vague, oui. Voilà. Le problème, c'est que si on ne fait pas de vague, on nage pas et on coule. Oui, exactement. Et on coule. Non, c'est très intéressant. Et évidemment, c'est un personnage dont il faut s'inspirer. Il pense que tout éducateur chrétien doit instruire un enfant dans la vie chrétienne et non pas le mercredi de 2 à 3, si tout va bien. Et s'il y a une petite dame catéchiste qui veut bien s'en occuper, puisqu'il n'y a plus de prêtres. Son secret, écrit Jean de Vigry, consistait à enseigner la vérité dans la charité. Veritatem in caritate, selon sa devise d'évêque.
Voilà ce portrait. Alors, est-ce qu'il y a encore des textes de Jean de Vigry sur lesquels on pouvait… Ben, il y a encore 25 conférences de 25 Jean de Vigry qu'il avait données à Fangeot. Donc, et sur ces conférences, il y en a certaines qui sont très, très intéressantes, notamment sur Charlotte Corday ou Jean Madiran, Louis Junier. Ah oui. Et je pense qu'il mériterait largement de faire un… Donc, si ce livre-là est bien vendu, il y aura un second tome. Oui, il y aura un second tome. Bon, donc la conclusion, c'est acheter ce livre. Chers amis de TV Liberté, je vous assure que vous me remercierez, là encore, parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est d'une rigueur intellectuelle inouïe. Il n'apporte pas un jugement par idéologie, il apporte un jugement par conclusion de son enquête, ce qui est totalement différent. Ouais. Beaucoup de rigueur. Et c'est un homme d'une grande délicatesse, d'une grande finesse d'esprit, très nuancé. C'est le contraire d'un idéologue. Oui, tout à fait. C'est pas le réac fanatique, non. C'est un réaliste. C'est un réaliste. Les choses sont comme ça. Ouais. Merci beaucoup Rémi Perrin de ces 5 portraits de Jean de Vigry, Via Romana. C'est un tout petit livre, mais que vous dégusterez, qui coûte la modique somme de 13 euros. Donc je crois que vous pouvez vous offrir ce bonheur. À très vite, chers amis de TV Liberté. Au revoir, Rémi Perrin. Au revoir, Anne.